La Nouvelle-Orléans, 1968, mon premier essai. Quelques semaines plus tard, quand au Mexique je développe mes films et que je découvre cette photo, je sais que je serai photographe. Et aujourd'hui, je ferai sans doute la même photo, mais sans doute, au lieu d'utiliser un 28 mm, j'utilise un 35 pour ne pas avoir de déformation, mais ce sera la même photo. Discover America for our readers, asked the editor-in-chief of Cristal magazine in Hamburg. He pointed at me and at my friend, the writer Rolf Winter. Sure, we said, but what exactly do you want us to do there? I think, replied the editor, you'll fly to New York and then you rent a car and you drive westward until you meet the Pacific and you take pictures and write about what you see. No time limit, no money limit. The year was 1963 and I was 27. So we drove our Oldsmobile to the west. I had two Leicas, a laundry bag full of Tri-X film and a lot of time. We found an America which was not very exciting for us. Sure, there were grandiose landscapes, but also many days of nothingness. Every small town looked pretty much like all the others we had seen before. But why were they so ignorant? Why the people were very friendly, but why were they so ignorant about other countries? Why so intolerant about people, especially if they had black skin? For my work, I had a guiding star, Robert Frank's book Les Américains, first published in 1958 by Robert Delpire in Paris. Because at that time, no publisher in America would touch Frank's dark and brooding pictures. But I was moved and inspired by it. Robert, I'm standing on your shoulders, but I can't even reach up to your belt. Je suis partie sans idée préconçue. Lorsque j'ai entrepris ce long voyage en Orient, j'ignorais que je deviendrais photographe. Je cherchais simplement à découvrir le monde et moi-même. En janvier 1964, je me suis donc retrouvée à Katmandou au Népal avec mon amie d'enfance, Ariane Mnouchkine.
Le premier jour, je fus ahurie de voir la Banque nationale qui étalait ses pièces d'or par terre au marché. Cela m'a paru fabuleux et fou. L'hôtel minable où nous logions était plein de rats et de poux et nous avons vite décidé de partir pour un trekking en montagne. Nous avons quitté la ville à l'aube et je me souviens du froid glacial, de mon émerveillement devant l'architecture vernaculaire et de l'hospitalité des villageois qui nous permettaient de passer la nuit chez eux. Tout ceci, je ne l'ai jamais oublié. La bouse de vache qu'on mettait à sécher sur la façade des maisons, les oranges énormes qui se pelaient comme des mandarines, les caravaniers tibétains avec leur joyeux sourire un peu moqueur et leur envie de nous toucher. Personne ne mendiait comme en Inde, il n'y avait pas encore de hippies et les gens étaient étonnés de voir deux femmes seules. Mais où sont donc vos maris ? J'ai le souvenir de la beauté partout, les visages, les paysages, les gestes, les objets usuels que je prenais tant plaisir à photographier. Je n'avais jamais été aussi heureuse et libre. C'est en rentrant à Paris que j'ai montré ces images au bureau de Time Life. On m'a proposé de devenir stagiaire. J'ai senti que j'avais trouvé ma voie, j'allais devoir travailler beaucoup, j'allais devenir photographe. Je vivais à Londres au début des années 70. Il y avait un poste de télévision détraqué dans l'appartement où j'habitais. Il donnait la possibilité, en bougeant l'antenne intérieure et en déréglant davantage les commandes, d'obtenir des couleurs fascinantes. C'est ainsi que pendant plusieurs mois, j'ai parcouru l'actualité brûlante des premiers vols Apollo ou des Jeux Olympiques de Munich, aussi bien que des séries TV américaines ou des publicités. C'est une façon différente de voir le monde et de remettre en question ce monopole déjà globalisant de la télévision. Il faut savoir que le magnétoscope n'existait pas, encore moins l'arrêt sur l'image, ni la possibilité de venir en arrière. J'étais donc en direct avec l'actualité live, l'appareil photo à la main, en m'approchant parfois très près de l'écran pour cadrer différemment. Je me trouvais finalement dans une situation très proche de celle de la photographie de rue, où pour moi, une bonne image est une question de hasard maîtrisé, une sorte de petit miracle parce qu'on est disponible et concentré. J'ai l'impression que si j'avais eu à l'époque plus de moyens techniques, les images auraient été moins bonnes, moins fraîches, davantage un procédé conceptuel. J'ai exposé ce travail à la Galerie de l'Empire à Paris en 1974. TV Shot, c'était ma première exposition. I have always looked for the defining moment inside my own work. It was a time of upheaval all over the world in a very public way a long time ago. I wanted to go to Vietnam when I was young and document the war. My mentor, Donald Greenhouse, told me to think about it. He said there was a bigger war at home and I was involved. He was talking about the plight of too many black Americans and how they were being viewed in negative ways in too many quarters. Whatever I was going to do photographically after that kept coming back to the moment of enlightenment. That was the beginning of my personal quest to document my people and my country. It was a revealing moment
when I realized how photography could be such a personal thing, and the resulting images would remain tucked inside my heart for the rest of my life. That was my first awkward step toward understanding the deep underbelly of a personal commitment to a reasonable call to arms of a sort. There would be no turning back to what was before.